congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. C'est la MONUSCO, partenaire du gouvernement congolais, qui a financé les travaux de ces bâtiments. Sous une pluie battante et a arrosé la ville de Bunia ce mercredi, le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, aux côtés des hommes en uniforme, a inauguré les bâtiments équipés en immobilier et kits informatiques mis en service pour la coordination des opérations de la police de la ville de Bunia. Pour la MONUSCO, c'est dans l'objectif de lutter contre la criminalité urbaine que ce centre de coordination a été construit après plusieurs consultations entre la MONUSCO et la police nationale congolaise, a précisé Karna Soro, chef du bureau de la MONUSCO Ituri, qui réitère aussi bien l'engagement de la mission à continuer d'appuyer les gouvernements congolais en cette période de sa transition. Nous travaillons donc à vos côtés et c'est dans ce cadre que ce centre de coordination a été mis en œuvre. Il y a aussi en cours un certain nombre de projets. Vous avez posé la première pierre de la construction du sous-commissariat de Tchabi il y a quelques jours de cela. Nous allons continuer donc dans ce plan jusqu'à ce que la MONUSCO parte de l'Ituri. À son tour, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, a salué cette réalisation, fruit d'une collaboration harmonieuse entre la PNC et la MONUSCO, qui facilitera certes la protection des populations et leurs biens. Ce bâtiment, avec tout le matériel qu'il comporte, va nous faciliter la protection de la population. Puis aujourd'hui, nous voulons davantage encore sécuriser cette population de Bunia et peut-être même de l'Ituri. Et donc, je vous remercie vraiment. Il faut dire que la remise de ces bâtiments d'importance capitale fit un besoin ressenti pour les habitants de Bunia en cette période de l'état de siège où la police se professionnalise du jour au lendemain, surtout dans la sécurisation des élections en cours au pays et des festivités. Musique, fermez le banc. Une parade générale a réuni le lundi 11 décembre 2023 à la haute cour militaire à Kinshasa les magistrats, les greffiers, les éléments du détachement judiciaire ainsi que le personnel d'appoint des cours et tribunaux militaires. À cette occasion, le premier président de la haute cour militaire a présenté 30 magistrats militaires du parquet récemment nommés au siège. Le lieutenant général
Mutombo Katara Tchende Joseph a également rappelé aux hommes sous ses ordres les instructions permanentes des forces armées de la République démocratique du Congo pour le bon fonctionnement des services au sein de leurs juridictions respectives. Il a insisté sur l'observance de l'apolitisme de l'armée, surtout en cette période électorale. S'agissant du matériel roulant, le général Mutombo a mis en garde les chauffeurs contre la mauvaise utilisation des véhicules mis à la disposition de son institution. Il en est de même pour ses administrés qui ne respectent pas les règles en matière de requête d'assistance. Pour clore son adresse, le numéro 1 de la magistrature militaire du siège a prié notre Seigneur Jésus-Christ de prêter vie à tous ses collaborateurs en vue de finir en beauté cette année et de se retrouver en 2024 en parfaite santé. Monsieur le commandant 21e région militaire, mon général, le détachement mixte d'honneur de la garnison de Lusambu est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite au Sankuru. Le commandant de la 21e région militaire, le général Tshibangu Tshama Sanka John, a effectué le 30 novembre au 4 décembre une visite de travail et d'inspection à Ilebo dans la province de Kasaï et à Lusambo au Sankuru. Cette tournée avait pour but de s'enquérir de la situation sécuritaire dans les juridictions politico-administratives se trouvant dans la zone des responsabilités de la 21e région militaire. À Lusambo, le chef-lieu de la province de Sankuru, il a présenté ses civilités au gouverneur de la province qui s'est dissatisfait de la visite du commandant 21e région militaire dans sa juridiction. Nous avons échangé avec les commandants de notre région militaire. En quelque sorte, il est gouverneur militaire de plusieurs provinces. Il est venu pour une mission de routine. D'abord pour voir son administration, comment elle est installée depuis que le Sankuru est Sankuru. C'est la première visite d'un commandant de région militaire. Mais également, c'est l'occasion pour lui d'échanger avec les autres services. Seul pour évaluer la sécurité dans une période cruciale qui est celle des élections. Et pour moi, c'est une satisfaction à la fois pour la population du Sankuru, mais également pour les forces armées qui se trouvent ici au Sankuru. Quand je parle des forces armées, je vois la police et l'armée. À l'étape de Ilebo au Kasaï, le général John Tshibangu s'est investi personnellement à la résolution des conflits latents qui couvaient entre les tribus Lele, Kuba, Kele, Luba et Chokwe. Grâce aux conseillers prodigués au cours de la réunion de sécurité locale présidée par le ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï, les délégués de ces tribus ont signé un acte d'engagement pour une cohabitation pacifique et des bons vivre ensemble dans ces territoires. Dans sa causerie morale à l'intention des éléments des FARDC et de la PNC des provinces, les commandants 21e région militaire leur a rappelé la mission régalienne, la discipline et l'apolitisme des hommes en uniforme. Il n'a pas manqué de les mettre à l'ordre les politiciens à mal des positionnements. L'armée essayait de protéger la population. La ligne de l'Ogaté ou de la Koufi. Il y a notre commandant suprême. Après ça, qui m'a instruction en casse. Tant que nous autres, c'est comme ça là. Ma mission, le maintien de l'ordre public, président de la République a insisté à l'OVI, zéro mort, zéro blessé, étant utilisé par arme non létale. Pour la protéger la population, à limiter Koyoka, policiers et soldats abominent la population. Donc, amis, ce qui est fait comme la population, ce qui est la population, chef de parquet de Wana, Paco Kangayo, aucun des prisons. Et puis là, il s'agit de Kangio pour Mimutu. Kangio va condamner la Tini à faire juillet au cas de la prison à Yenga. On a aussi la famille là. Et Seigneur, on donne sa population. La carte de la population, il a fait la barbeau, la bâton, il va dans les critères à sa place. Il va parler à la vie sur Bazaliao, par un aviso, par un qui n'aviso, par celui qui n'aviso que Bazaliao. Et Seigneur, on donne sa population. Na soukana na kolo wabwe, policier, na soldat, gonza batu moko. Et sengeli mo travaillé na collaboration. Tant qu'on a la kiti, moi t'as l'exemple, la kiti l'avion. Pendant il va y a mi-mai.
commandant commissariat, nous avons conseillé armé au bazar sur place. Et nous avons dit, France, collaboration entre Bissot, les soldats, les policiers. Pour nous avoir une mission presque mon corps. Nous avons un homme en uniforme. Ceux qui policiers, au côté d'un soldat avec la grâce de faire nos sacs. Ils ont fait soldat, au côté d'un policier avec la grâce de faire nos sacs. Mes respects, mon capitaine. Mes respects, mon gardien en chef. Mes respects. C'est ça la beauté, c'est ça même l'utilité, la discipline. Très riche en événements était le séjour du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant-général Ishalingon Djadourou Jacques, dans la garnison de Kisangani. Arrivé vendredi 24 novembre 2023 par l'aéroport international de Bangoka, à la tête d'une forte délégation, plusieurs activités sont organisées dans toutes les unités de Kisangani. État-major 3e zone de défense à la 31e région militaire, le 33e groupement aérien, la garde républicaine, la base navale et la 3e base logistique, aucune unité n'a échappé à la visite de l'autorité pour transmettre le message du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sur la réforme de l'armée, mais aussi qui tient à l'amélioration du social tant des militaires que de leurs dépendants. Pendant ses prises de parole lors des exposés présentés à son intention, il a tour à tour rappelé la vision de l'armée qu'a la haute hiérarchie militaire, notamment son Excellence le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, laquelle vision extériorisée désormais par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Tshiwewe Songesa. Sa présence en terre boyomaise pendant plus de 2 semaines n'était pas qu'un dur labeur en ce que l'autorité devait braver les obstacles vents et marées du fleuve Congo pour visiter les unités implantées de l'autre côté de la rive, mais aussi un pari gagné car un élan nouveau s'observe dans la conduite des hommes et des femmes en uniforme dans l'ensemble de la garnison de Kisangani. Aux éléments de la 3e brigade basée au centre d'entraînement, lieutenant-général Baouma, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements a insisté sur la discipline qui devra accompagner chaque militaire dès son recrutement jusqu'à sa mort ou encore à sa retraite. L'explication de la devise des forces armées de la République démocratique du Congo pour ne jamais trahir la nation congolaise, le courage et l'abnégation. Était l'essentiel du message que l'autorité a apporté à la troupe. Notez également que l'autorité a apporté son soutien personnel aux nécessiteux, preuve d'amour, d'esprit de changement, incarné dans la nouvelle vision des forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant du corps PPN, le général-major Massibamba Albert, a participé du 27 novembre au 1er décembre 2023 à la 13e édition du Réseau pour l'environnement et la sécurité des aires protégées qui s'est tenu à Kinshasa au cercle Elaïs. Au cours des assises de cet atelier organisé par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, la problématique de la superficie affectée aux zones protégées a été au centre des débats. Cette 13e session du RESAP a également abordé le sujet relatif au corps PPN au regard de l'évaluation de son opérationnalisation, son ancrage au sein de l'ICCN d'assurer la sécurisation du réseau pour l'environnement et la sécurité des aires protégées
sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la protection de la biodiversité et la sauvegarde de l'écosystème, le corps PPN s'implique totalement dans la lutte contre le braconnage, l'envahissement et la spoliation des aires protégées. La lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles fait aussi partie de ses missions. Cette édition du réseau pour l'environnement et la sécurité des aires protégées s'est clôturée par une descente au parc de la vallée de l'Ancelé pour apprécier l'évolution et la sécurité des espaces. La tradition a été respectée à la première zone de défense. Le général-major Ilondo Efondo Igu, commandant ad intérim de cette unité, a tenu ce lundi 4 décembre 2023 la parade du premier lundi du mois. Au cours de celle-ci, le général a axé son message sur un seul point essentiel, à savoir l'alerte maximale. Cette alerte a été décrétée par les autorités militaires en cette fin d'année pour assurer la sécurité des citoyens. D'abord, à l'occasion des festivités de fin d'année, l'armée doit être aux aguets pour empêcher les semeurs désordres à troubler la quiétude de la population pendant ces moments de fête. Ensuite, pendant les opérations électorales, la police qui est censée surveiller les élections, mais l'armée doit rester en état d'alerte maximale. La police était débordée et faisait recours à l'armée. À l'obi. Alerte maximum. Sodanyoso ayebi makambo elobami. Alerte elingi koloba nenu. Tozali sika na période ya alerte. Toko koma na mois de janvier 2024. Oezali consigne bakonzi ba pesi. Le président de la République ayebi si chef d'état-major général ba soda banso bazala en alerte. Bazala na ekenge ba veiller. Pour que l'année et si la malamou na kimia, batu ya mabe baya po troubler te, ba miyibi ba kuluna, baya ko yiba batu population te. Alors pour que population est fêté, na kimia, biso, ma pinga, d'être conveillé, pour que kuluna aïba bangote, police qui est censée ko sécuriser ba élection, na mboka mobimba. Ba soldate, ce qui police est un problème, ba consenga réquisition pour na ko appuyer na FARDC. Mais ce qui réquisition ya ko appuyer police et ça limité boko vanda na ba poste na bino, boko koma ata mukete na esika bazali ko pona. Ce qui moi si na yo a ko voter et ça lui moi si na yo. Tika kende ko voter candidat o ya moni ya choix na ye. Le général-major Ilondo a attiré l'attention des militaires pour leur caractère apolitique et les a exhortés à la vigilance. Le général-major Chiko Ntintambwe, sous-chef d'état-major général chargé des opérations de forces armées de la République démocratique du Congo, s'est séjourné dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu depuis le samedi 2 décembre 2023 dernier, avec comme objectif de s'imprégner de l'évolution des opérations militaires dans les secteurs opérationnels sous Kola 1 Grand Nord. L'envoyé du chef d'état-major général s'est rendu au camp Chiko ex-Mambango, situé à 12 km à l'ouest de la ville de Beni, où un briefing général sur la situation sécuritaire de la région de Beni lui a été présenté par le commandement des opérations Sokola 1 Grand Nord. Il a par la suite visité l'axe opérationnel Nord le dimanche 3 décembre et a participé à l'exposé sur la situation sécuritaire à Oicha, Mbaou, Kamango et Kainama. À l'issue de cet exposé, Chiko Ntintambwe s'est dit satisfait de l'évolution positive des opérations de traque des terroristes islamistes MTM-ISCAP par les forces armées de la République démocratique du Congo en opération conjointe avec l'armée de la défense du peuple ougandais UPDF. Il a encouragé tous les militaires à traquer les Moudjahidines tout en respectant le droit de l'homme et le droit international sécuritaire. Déterminé à palper du doigt les réalités dans l'ensemble du secteur opérationnel sous Kola 1 Grand Nord, le sous-chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a visité également les unités qui traquent les groupes armés négatifs, réfractaires au processus de désarmement
et réinsertion communautaire dans l'axe opérationnel sud, précisément dans les territoires de Lubero, Kirumba et Kanyabayonga. Accompagné par le général-major Kasongo Maloba Robert, le commandant secteur opérationnel Sukola en Grand Nord, la délégation a échangé non seulement avec les officiers militaires de cette zone, mais également avec ceux de Rwindi dans les secteurs voisins Sokola 2, territoire de Rutshuru. Découvrez votre application MyAfricell. Accédez de manière rapide et facile à tous les services d'Africell et à toutes vos données à partir de votre mobile grâce à l'application MyAfricell. Comment s'inscrire? C'est très simple. Téléchargez l'application MyAfricell sur Apple Store ou Google Play, créez votre compte et obtenez 1 giga gratuit. Profitez aussi d'une tarification spéciale pour tous nos forfaits. MyAfricell est le raccourci le plus pratique pour effectuer toutes vos opérations tout en